Comment changer l'orientation d'une page à l'intérieur d'un document Word? Il arrive que vous avez une image, un tableau ou bien une partie de votre document et vous voulez que ce soit horizontal mais tout le reste soit vertical. On appelle ça vertical portrait et paysage horizontal. Voilà comment on va faire ça dans cette vidéo. Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la cloche de notification et comme ça vous allez ne rater aucune vidéo. Donc la meilleure façon, c'est de travailler sur un exemple. Donc l'astuce, c'est pour changer l'orientation d'une page ou deux, ou bien trois. On va travailler juste sur une page et c'est la même technique pour le reste. Nous allons diviser ce document en trois sections. Et puis on va travailler sur la deuxième section. On va travailler sur la deuxième section. J'ai un exemple ici. Je veux que cette page soit horizontale. Je change le zoom en bas. Vous voyez, j'ai une page 2, 3, 4, 5. Je veux que la troisième page soit à l'horizontale. Donc j'ajoute un peu le zoom. Et essayons de voir le début et la fin de la page que nous allons changer. Que nous allons rendre horizontale. Le début, c'est ici, première lettre ici. Le début de cette page-là, c'est dans cette lettre-là. Et puis, je vais insérer une section ici. Donc, je vais faire insertion. Et c'est dans 2019, il y a mise en page. Mise en page. Et ici, dans ce groupe, mise en page, il y a saut de page. Et dans les sauts de page, je choisis continuer. On va faire page suivante, sinon il va me créer une autre page. Mais on va faire continuer. Et là, et le saut de section, il est inséré dans cette partie-là. Donc je clique, et voilà, j'ai une section ici. Pour la voir, il suffit de voir en bas. Vous allez voir section numéro 2. Et puis je vais continuer jusqu'à la fin de la même page, ici. Ça c'est la fin de la même page, et puis le début de la page. Et puis on va passer à la page suivante, le début, ici, de la feuille. On va insérer, on va faire la même chose, on va faire mise en page. Dans le groupe mise en page, il y a saut de page, je clique sur cette liste-là, et je vais choisir continuer. Je refais mise en page, saut de page et saut de section. Je choisis continuer. Et voilà, ici, vous voyez en bas, c'est section numéro 3. Ici, section numéro 2. Je diminue le zoom. C'est bien de travailler par le zoom. Et la façon plus rapide pour zoomer, c'est que vous appuyez sur la touche CTRL et vous roulez la roulette de la souris, la molette de la souris. Voilà, j'ai ici trois sections. Première section, c'est deux parties, c'est deux pages. Deuxième section, c'est cette page que nous allons changer. Et le reste, c'est la troisième section. Maintenant, je vais changer juste le paysage de cette page-là, la troisième page, 1, 2, 3. Donc, je me positionne n'importe quelle. Je me positionne cette page-là. Et je vais cliquer sur, voilà, mise en page. Et je vais lancer ce petit lanceur-là, mise en page. Et vous voyez ici l'orientation, les marches. Je prends l'orientation, je prends paysage. Mais attention, voilà la solution ici, appliquer à cette section. En bas, vous avez trois choix. Vous avez appliqué cette section à partir de ce point et à tous les documents. Vous avez ici trois choix, on va choisir à cette section. Donc cette section, je vais changer l'orientation de la page de cette section si je valide par OK. Et voilà, par magie, vous avez cette page qui est horizontale. J'ai ajouté cette zone de texte juste pour l'illustration. J'enlève, et voilà, j'ai cette page
l'horizontale et tout le reste vertical. Et ça, au sein du même document. Supposons que je veux encore changer les dernières pages, je vais la mettre à l'horizontale. La même technique, je clique ici au début de la dernière page, je clique sur mise en page, ceux de page, et je clique sur continuer. Et la même chose, la même mise en page, je lance ce petit lanceur là, je change l'orientation de la page et à cette section. Maintenant, on peut faire à partir de ce point parce que c'est la dernière page. Si je fais OK, vous voyez ici, nous avons deux pages différentes, horizontales, au sein du même document. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la cloche de notification. Et comme ça, vous allez recevoir toutes les vidéos. Merci et au plaisir de vous retrouver dans votre vidéo.